Au Seigneur de tendre sa main et de bénir le ministère de son serviteur. Ce n'est pas parce que grâce est plus fort que lui, non. C'est quelqu'un qui est en difficulté et qui a eu besoin de l'aide de chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'aider à s'en sortir. Ça, c'est important. Prions ensemble le Seigneur et demandons au Seigneur de bénir l'homme de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci. Nous voulons te prier pour ton serviteur. Nous te prions parce que tu es Dieu. Puissant tu es, capable encore de délivrer et de restaurer qui tu veux. Demandons ta grâce sur lui. Oui, Seigneur, c'est dans ta miséricorde que tu as eu, Seigneur, pitié de l'enfant et du ministère de ton serviteur. Et nous savons que quand tu commences quelque chose, tu l'achèves parfaitement. Merci. Au nom de Jésus-Christ, d'agir pleinement, Seigneur, dans ta Dieu. Nous te rendons ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. On dit Amen. Amen. Et vous asseoir. Ni café pétali à la main. Namadio. Tanakasio. Tanakasi a benato. Tanakasi. Benade. Je sais que tu l'as toujours aimé. Je sais que tu ne l'as jamais rejeté. C'est avec ta permission, ton accord, qu'il s'est retrouvé ici. Il n'a maintenant plus jamais besoin de toi. Il a maintenant besoin de toi. Il a plus besoin de toi. Parce qu'il se sent culpabilisé. Et ça va venir. Oh, la chose, le jeu va ramener le passé. Puisqu'il est délivré, il aura un remords. Et ça va l'amener à se culpabiliser. Or, c'est en ce moment que tu as besoin de le tirer vers toi pour le rassurer, ça va aller. Amen. Amen. Ça, c'est important. Amen. 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 Amen à Dieu, 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 Amen. Amen. Oui, celui qu'on pense qu'il ne va jamais changer, tu peux le transformer. Parce que Jésus n'est pas venu pour les justes, pour ceux qui sont pécheurs. Amen. Il y a plus de bonheur. Hein? Pour un pécheur, c'est ça. Qu'un pécheur se répand sur la terre, la Bible dit que le ciel est dans la joie. J'ai vu des gens dans les villages qui m'ont lancé lance dans ma poitrine.
moi, j'ai senti et poussé un cri, les gars étaient là. J'allais le coucher. Mon amour l'a fait tomber. Sinon, j'étais prêt de l'amener. Vous voyez, le retour à l'envoyer. Le retour à l'envoyer. J'ai pris, j'ai poussé le cri. J'ai jeté. Parce qu'il ramène, il meurt. Pour les riches que les premiers. C'est ça l'amour de Dieu. Vous servez Dieu votre amour. Oui. Amen. Amen. Tu m'as fléché. Hein? Tu m'as mis flèche. Fléché. C'est pas me dire flèche, c'est poison. Et Dieu nous aide. Amen. Au moment où il faut démontrer l'amour de Dieu. C'est ce qui n'existe pas en eux. Jésus, c'est la haine. La méchanceté. C'est la haine. Il faut être méchant. Attrition. Nous, c'est un amour sans intérêt qu'on appelle l'amour agapé. Tu n'as pas ça dans ton ministère. Il n'y a pas un sorcier qui est venu ici qui ne m'a pas essayé. Après, son devenu camarade. Ils sont tous les enfants. On vient ensemble et on avance. C'est l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Tu seras délivré. Eh hey, madame, quitte mon, quitte mon, quitte, quitte. Allez, quitte, là-bas, là-bas. Où est sa maman? Eh, vous serez obligé de partir parce que. Oui. Non, c'est pas moi qui dis pardon. Pardon, c'est qui? C'est elle qui est malade, non? C'est elle qui a la sorcellerie. Quand on lui demande de parler, il faut qu'elle parle, d'accord? Ta tête là, vous avez été machiné. Toi-même, on sait que tu manges. Jusqu'en grattant de l'homme, tu manges ça. On les oublie les accords dans ma vie. On est passé par là tout le monde. Oui. Quelqu'un nous là, ça colle. Qui gratte, tu manges. Oui. Ok. Le pasteur voulait rendre. Je ne voulais pas trop donner la parole à cause du ministère. Tu vois, faut pas. Voilà, ça cause ça. Ça cause ça. Bon, voilà, voilà. Je ne veux pas que les gens pensent que l'autre est plus fort que l'autre. Voilà, c'est ça que je veux éviter. En fait, il n'y a pas de concurrence dans le ministère. En fait, j'ai été formé par le prophète Moïse Ben. Je suis son cousin et je suis son fils spirituel. Effectivement, il parle d'amour, c'est la base du ministère. Amen. Il y a des cas où tu es étonné que ton amour est payé par autre chose. Oui, c'est ça. Et tu es surpris. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire à son enfant, on ne peut jamais soupçonner son enfant. En fait, si quelqu'un est né de toi, que tu le soupçonnes, c'est que tu es très méchant. Dieu sait ce qu'il prouve que non, il n'était pas avec toi. Et que maintenant, c'est maintenant, il veut être avec toi. Vous comprenez, quelqu'un est méchant. Ce monsieur, quand il est venu à Zaroko, c'est un monsieur parce que je veux vraiment le faire grandir. C'est un grand prophète de Dieu. Tout le monde l'accusait. Et j'ai été le seul. Je suis parti. Demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe et puis ce homme est accusé de tout le monde. Je t'ai dépassé de gage, je t'ai dépassé. Un miracle est dépassé, il me traitait de petit chien. Voilà. Et donc lui, il est à Zaroko, je suis à Bogako. Il vient donc d'arriver un mois après, c'est des tumultes. On a l'impression que c'est le problème qui est arrivé. Oh, c'est la lumière qui est venue. Amen. Ouais. Parce que moi-même, je suis de Bogako, c'est un village maudit. Je leur dis devant eux, je dis, vous êtes dans la malédiction. Tant que vous ne confessez pas, vous allez mourir à la place des innocents. Ça, quand je suis au milieu de ces contrats, je parle. Donc, ça fait que le songe que j'ai eu sur lui, je vais, il est avec mon grand frère qui est venu hier avec le petit. Et il est en train de faire sa prière. Quand le songe, je le salue, il me salue. Et je lui dis, ah, on arrive vraiment.
Que Dieu te bénisse pour le travail que tu as fait. Je veux partir. Il ne veut même pas. Hein? Je suis venu chez toi. Ici, là, je suis étranger ici. Si je dois travailler, c'est avec toi. Amen. Amen. Et il a insisté que je ne parte pas. Et comme je devais partir, il a laissé que je puisse aller finalement. Mais c'était difficile. Et depuis ce jour, j'ai dit aux gens, taisez-vous. Un prophète, on ne peut pas le comprendre au départ. Mais ce que Dieu est venu faire avec lui, il va l'accomplir avec lui. Amen. Et comme quand même je suis écouté un peu chez moi, les gens ont su effectivement. Et quand il est venu au village chez nous, il a fait tout un travail qui a emporté plein de sorciers. Ah oui? Il a fait une action prophétique. Il n'a même pas dit, toi, tes sorciers viennent te délivrer. Parce que tout le monde l'attendait. Oui, c'est ce terrain. Et je suis arrivé, je lui ai dit, travaille comme s'il n'y a rien. Et si c'est chez moi, si quelqu'un te touche, tu vas voir comment je vais réagir. Travaille comme s'il n'y a rien. Et c'est juste que quelqu'un s'amusait. La police s'est allée ramasser plein de monde. Et je les enverrai. Il me dit, je m'excuse. Il me dit, non, il ne fait jamais ça. Mais j'allais envoyer tous ces gens-là à la PJ. C'est là-bas quand on te maltraite. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'en vas mourir. On te met dans des douleurs qui vont te tuer. Et j'allais faire ça exprès pour tous ceux qui allaient me toucher. Amen. Amen. Donc, du coup, vraiment, je n'ai pas fini. C'est un témoignage qui est trop long. J'ai souffert dans ma vie. Quand Kankou est décédé, qui était notre père, on avait un problème commun pour la Côte d'Ivoire, j'ai été chassé de l'église François. Et les gens disent Kankou est mort, tous ceux qui sont ses frères et onction l'a quitté devant nous. On est dans une église où c'est rien à faire. Quittez devant nous, nous on a notre manière de travailler. Votre onction, feu, vous voyez tout partout. Et on est parti comme des gens qui étaient même accusés. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler avec nous depuis dehors. Ils sont à l'église, ils entendent les témoignages. Ils sont à l'église. Même la présidence nous appelait. Ils sont là-bas, ils savent me calmer jusqu'à chez Babou, en son temps. Et si le mauvais carré arrive, c'est les mêmes que les Kankou là. C'est des gens qui vont mourir aussi vite comme leurs frères. Il ne faut pas les accepter ici. Amen. C'était difficile. C'était tout un ensemble de dons de Dieu qui ne veulent pas d'onction parce qu'ils veulent autre chose et qui nous attaquent des vies. On en a souffert. Donc, vous voyez, ça donne un caractère. Aujourd'hui, quand je le vois travailler, j'étais sûr, ici, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand je veux que je revienne, je vais faire un programme à y aller dans mon église. Si tu veux une semaine, 3 jours, 4 jours, moi je suis prêt. Moi je dirige, je ne fais même pas. On va dire, il a envoyé quelqu'un pour nous faire du mal. Moi je vais diriger seulement et puis je te laisse la place. Et tu as une semaine si tu veux. Bien sûr, on aura les offrandes. Et tu vas travailler de sorte que depuis le quartier, tout irait. Soit dans un problème de délivrance réelle, ou alors dans une malédiction à jamais dans le camp de celui qui refuse. C'est quand tu refuses, il a dit tout à l'heure, il faut que tu meurs. Mais quand tu confesses comme il a confessé, et puis je le regardais, et j'avais toutes sortes de sentiments. Parce que je suis surpris que mon enfant, on te met dans des situations et tu ne dis pas son, à ton papa. Et comme moi, je suis d'un amour trop dépassé. Je ne peux même pas discerner que tu as quelque chose en toi. Quand tu fais des petits méchancetés, non, je n'aime pas ça. Hé, hey, on ne fait pas ça avec les petits frères. Oh, on protège les petits frères. J'ai jamais su que le petit là, il peut être même un champion des sorcelleries. Et donc, c'est comme ça que, c'est moi tout à l'heure, c'est pas que, si on met cet enfant, il sait, il travaille très bien avec moi. Il a fait CP2 à Abidjan et on est venu en 2011. En 2012, quand on est arrivé, je l'ai fait sauter CE2, il a fait CM1 en même temps. De CM1, il a été l'un des majeurs, il est parti de CM2. Il a eu CP2 sur place. Et de la 6e jusqu'à la 4e, aujourd'hui, il est
il a toujours 14 de moyenne, 14 de moyenne, 14 de moyenne. Donc je sais que ce problème-là, on ne peut pas le haïr. En fait, il y a vraiment un problème. Mais comme lui, à moi, il ment. Oh, je sais qu'il ment et quand il ment, je suis irrité. Je sais pourquoi à moi, ton papa, tu ne peux pas lui dire la vérité. Pourquoi on fasse la différence? Donc j'ai dit, bon, heureusement que mon frère est de l'autre côté, amenez-le là-bas. S'il ment encore, en tout cas, il ne va pas arriver ici. Il ne va pas arriver ici. Voilà. Quand il sortira, il va rester dans les rues de Tivo, ou bien il va aller chez son ami qui l'a initié. Mais ce n'est pas ici chez moi. Parce que je n'habite pas avec le diable. Et donc, comme il a fait tout un travail là-bas, le bois dont il parle, je vais chercher un sieur pour couper ça dans la semaine-là. Voilà. J'avais coupé déjà d'autres bois dans lesquels je les ai vus avec le cocotier. Et comme ils sont d'autres bois à côté, et puis j'ai dit au monsieur, ta maison là, c'est plein de bousses. Il ne peut plus construire. Il faut faire, si il y a un peu d'argent, je vais payer en même temps. Et puis on va agrandir l'église. Dans leur marché, on va débarrasser le marché. Heureusement que je ne serai plus seul. Il y a mon frère qui va m'aider. Et je te dis, puis on va commencer à chasser la société. Parce qu'en fait, ils ont été inquiétés. Mais en vérité, ils sont des grands noms et ils ont trop de stratégies. Regardez, un enfant que tu as mis au monde, les gens passent par lui. Mm-hmm. Si ce n'est pas Dieu qui a raison, comment tu peux le soutenir? Je les connais bien, je les attaque chaque fois et ils me fuient chaque fois. Celui dont il parle, il était dans l'église. Je lui ai dit, répands-toi, répands-toi. Et un jour, tu m'as, il me donnait une colère. Il dit, il faut les juger. Donc j'arrive, je lui ai dit, bon, tous ceux qui sont sorciers ici, aujourd'hui, c'est votre jugement. Vous serez égorgé par l'épée du Saint-Esprit. Vous aurez la mort sur vous si aujourd'hui vous ne faites pas repentance sincère. Donc quand le chef qui le dirigeait là s'est levé, il m'a fait asseoir avec le conseil. Je lui ai beaucoup parlé en parabole. Mais je me sens concerné. Mais tu te sens concerné. Celui qui est morveux se mouche. Mais qui c'est qui te concerne? Viens, je vais voir. Quand je vais voir, il a pris ses deux femmes, il avait plus que deux femmes. Et il est parti avec ses deux femmes jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais mis pied dans l'église. Celui aussi dont il est chef du quartier, aujourd'hui, je ne sais pas, il en fuit. C'est son fils qui est venu, il y a un petit qui a confessé, son grand frère ingénieur, il veut le tuer à Zaroko. Et Ruffin. Voilà, Ruffin, son petit frère, il a la tête, il fait les coiffures bizarres. Donc, c'est son père qui est chef du quartier. Aujourd'hui, il a fui le quartier. Quand on a dit, le vrai garçon a besoin de lui, avec tous ceux qui font ça à l'enfant. Il a fui le quartier, il est jusque-là en exil. Donc, on va faire fuir le reste du quartier. Il n'y a pas de problème. Il faut que les enfants de Dieu aient le lien soit. C'est ça, je vais faire une affiche. Tout sera propre. Je passe à la radio plusieurs fois. Et puis, je suis assis. Et puis je constate ce que Dieu a préparé pour cette vie de guérison. Il y a trop de sorciers dans ce monde. Et il faut quand même vaincre tout cela, installer une église. Et Dieu m'a dit tout à l'heure à ton bureau que tu as une église de 4000 personnes à faire à Dieu. Cette église va se réaliser. Tu voyageras, mais tu ne vas pas quitter ton pays parce que ça ne va pas ici. Et comme on a besoin de beaucoup de gens pour qu'on se soutienne pour aller. Parce que quand tu vas seul, il peut avoir des handicaps très souvent. C'est quoi? Tu peux travailler avec quelqu'un, mais qui n'a pas la même force que toi. On peut le détruire à tous les deux. Il y a des problèmes toujours dans le ministère. Mais il faut qu'on soit soudés. C'est pourquoi moi je serai avec toi et tu seras avec moi. Amen. Et comme Dieu a permis que tout se passe bien, je t'ai de passer pour aller à Abidjan. Quand je reviens, c'est que tu sais, on passera au remerciement au Seigneur. Okay. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, pour dire qu'il est délivré. Il est délivré. Nous, il est délivré. Mais il va rester. Oui, il peut partir la semaine prochaine. D'accord. Sans le maintenir ici. Sans le temps de l'aider. Sans faute. Le bois là, c'est vers le truc là.
Amosale o. Amosale o. Amosale o. Amosale o. Amosale o. Comment? Je vais faire l'école. Viens à faire l'ESS.